Un cadeau pour Noël. Une histoire de Crescence Bouvarel. Je vais te lire cette histoire sans te montrer les images. À toi, dans ta tête, d'imaginer les images et d'imaginer l'histoire que je suis en train de te lire. Allez, c'est parti. C'est la veille de Noël et tous les animaux s'affairent dans la forêt. Dans sa tanière, Edgar, le renard, a accroché des guirlandes dans son salon. Il a décoré son sapin. Il a écrit des cartes de vœux et préparé des biscuits à partager avec ses amis. Il ne lui reste plus qu'à déposer ses chaussons au pied du sapin et tout sera parfait. Mais lorsqu'il ouvre son armoire, ses chaussons ne sont pas là. Où sont-ils passés? Edgar cherche partout. Il fouille le coffre à jouets. Il regarde sous son oreiller, retourne son lit. Il remue la bibliothèque. Rien. Désespérément, rien. Si je ne dépose pas de chaussons au pied du sapin, je n'y trouverai pas de cadeaux demain matin. Je dois absolument les retrouver, se dit Edgar bien embêté. Il décide d'aller chez son amie Lily la souris. Bonjour Lily, j'ai perdu mes chaussons, les as-tu vus? Non, désolé, je n'ai que mes ballerines avec des rubans de satin pour danser jusqu'au matin. Peut-être que Marceau aura une idée. Edgar retrouve Marceau, le blaireau, devant son terrier. Bonjour Marceau, j'ai perdu mes chaussons, sais-tu où ils sont passés? Non, désolé, je n'ai que mes sabots pour me tenir chaud. Peut-être que Charlotte pourra t'aider. Le petit renard va voir son amie Charlotte la marmotte. Bonjour Charlotte, j'ai perdu mes chaussons. Les aurais-tu retrouvés? Non, désolé, je n'ai que mes bottes pour jouer dehors. Peut-être que Léon les a vues. Enfin, Edgar interroge son copain Léon le hérisson. Bonjour Léon, j'ai perdu mes chaussons. Sais-tu où ils sont? Non, désolé, je n'ai que mes souliers vernis pour être bien mis. J'espère vraiment que tu vas les retrouver. Le soir tombe, les étoiles brillent, il est temps d'aller au lit. Tous les animaux déposent leurs chaussures devant le sapin. Lily dépose ses ballerines, Marceau ses sabots, Léon ses souliers et Charlotte ses bottes. Et tous vont se coucher en pensant aux jolis cadeaux qu'ils découvriront demain au pied de leur sapin. Tous, sauf Edgar, qui s'endort le cœur gros. « Je n'ai pas pu déposer mes chaussons au pied du sapin, » se dit-il. « Tant pis, je n'aurai pas de cadeau cette année. » Le lendemain, quelle n'était pas la surprise d'Edgar de découvrir au pied du sapin ses deux chaussons, accompagnés d'un cadeau et d'un petit mot. « Joyeux Noël, signé PN. » C'est vraiment le plus magique des Noëls. Tout heureux de cette bonne nouvelle, Edgar invite ses amis à entrer. Ensemble, ils passent le plus merveilleux des moments. Fin de l'histoire.